Putain, c'est fou comme ça lag plus le son, dis donc. Bon, eh bien, salut à tous, ici c'est Musicbox, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle session de Final Fantasy VIII, l'épisode 29. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Linoa s'était réveillée de son... de sa phase de stase, de comment dirais-je... de sommeil profond, de coma. S'était réveillé donc de son lit qui était là et s'est mise à marcher de manière très bizarre, un petit peu de manière fantomatique. C'est pas trop ce qui lui arrive. Elle a l'air légèrement possédée, voyez-vous. Et donc je vous avais quitté sur un cliffhanger absolument horrible. Et aujourd'hui donc nous allons connaître le fin mot de cette histoire. Je sais plus exactement par quel côté il faut que je me dirige cependant. Non, c'était pas par là. Enfin, du moins je ne crois pas. C'était à l'étage. Voilà, c'est par là qu'il faut que j'aille normalement. Regardez! La lune! What the fuck is happening to the moon? Eh bien, mon très cher professeur, voyez-vous, nous pouvons observer ici ce que nous appelons un œil. Ou plutôt, non. Quelle appellation pourrait-on t'en donner à un genre de fluide qui va s'écouler depuis un certain endroit dans lequel sont compris des milliers et des milliers de petits monstres qui gigotent, voyez-vous? Comment? Quelle allusion pourrez-vous faire, monsieur le professeur? Mais ce n'est pas possible! Mon Dieu! La lune est en train d'éjaculer en vérité! La lune éjacule sur la terre, monsieur! Une belle éjac faciale sur la terre, voyez-vous? Voilà tout ce que j'y vois, moi. Maintenant, avec ma maturité d'aujourd'hui. Des monstres, des milliers de monstres, ils se dirigent vers Tears Point! Cela signifie que Lunatic Pandora se trouve maintenant à Estar! Comment est-ce possible? Vous avez vu passer une jeune femme? Oui, elle se dirigeait vers le vestiaire. Non, oui, elle se dirigeait vers le vestiaire. Je sais pas si c'est ingénieur ou ingénieureux. Ça a l'air d'être un peu une femme, hein, plus qu'autre chose, qui me parle. Et oui, ils en auraient rien à foutre, oui, une femme complètement bizarre, à moitié fantomatique, se dirigeait vers les vestiaires, mais bon, ça les choquait pas plus que ça. Mince, les vestiaires ne sont pas là. Ils sont où les vestiaires, motherfucking shit? Ah, ils sont par là. Elle est congelée à tout jamais. Vite. Prends la soute, il veut pas. T'es si belle. Rien à battre. Oh oui, I'm a motherfucker. I'm a fucking astronaut. Bon, tu veux bien rentrer, merci. Non, je me mets à voler. Décibel, reviens là. Chérie, reviens. Ne t'en va pas voir une autre. Enfin, un autre, je sais pas comment on pourrait dire. Cette chose n'a pas de vrai sexe. Ce faisceau monstrueux provient du sanctuaire d'Adèle. Le cimetière d'Amance se déverse sur Estar.
Mais rattrapez-la! Pourquoi tous des tracks exactement au même moment? Putain, bande d'incapables! Ça va mettre le monde en danger et vous en avez rien à foutre! Ce n'est pas par hasard tout ça! Quelqu'un a planifié ce désastre! Allez, plus vite! Qui est responsable? Va m'ouvrir la fucking porte là, s'il te plaît? Ultime essai à la sorcière. On va voir Adèle le transsexuel, effectivement. Attends, je peux pas sortir. Impossible de sortir. Je vais devoir faire marche arrière. Youpi! Tout ça pour rien. Non, mais honnêtement. Franchement, vous avez pas l'impression que c'était juste une grosse éjac faciale, l'alarme sélénite? Un jet d'un fluide visqueux rempli de milliards de petits monstres. L'allusion est vite faite, hein. Bon bah, mettre ce costume d'astronaute pour rien, c'est pas drôle. Holy shit, j'ai raté quoi? Maxiro, tu as raté l'éjaculation de la lune sur la Terre. Cela devient trop dangereux. Nous devons quitter la base au plus vite. Rejoignez les pods d'évacuation. Ne pensez pas à moi, partez. Nous devons y aller, monsieur. Le président est en face de moi. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir son visage à travers ce... Ah ! Vous, veillez sur Elon. Ah ! On peut pas voir le visage du président dans cet accoutrement. Est-ce que Elon est dans sa chambre ? Ai-je raté le combat super casse-couille ? Quel combat super casse-couille? Y'a pas de combat super casse-couille ici, dans l'espace. Allez, Elon. Allons-y maintenant. Y'a eu que moi qui me battais contre X-Pit, rien d'autre. C'est ça le combat super casse-couille. Decibel ne fera jamais une chose pareille. Mon dieu, l'alarme sélénite va emporter Decibel. Quoi? Oh non, elle va se faire éjaculer dessus aussi. Mon dieu, non, pas elle, pas Decibel. Bon sang, Adèle va pouvoir s'échapper. Non, non. Tu te mets à aimer un autre, un transsexuel maintenant, Linoa, je te déteste. Va mourir, chiennasse. Salope, tu viens de condamner la planète. Alors là, vous pouvez apprécier la magnifique Adèle, l'androgyne moche et dégueulasse. Et Linoa qui est en train de se prendre un boucaqué là. Ah non, mais ce let's play est Peggy 18, mes chers amis. Hein. Decibel, non, pas en boucaque. Venez, nous devons évacuer immédiatement.
Venez, nous devons éjaculer immédiatement. évacuer immédiatement, pardon. Ah là là, mon dieu. Hey, ils partent sans moi, ces enculés, ils prennent l'ascenseur sans moi. Je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place, que vous voulez peut-être pas vous serrer avec moi, mais quand même. Trois hommes dans un ascenseur, peut-être. Est-ce que je peux descendre, parce que là... Mine de rien. Est-ce que c'est des boutons, ces trucs? C'est pas possible. Mais descends, ascenseur de merde. C'est pas possible, il se passe quoi? Elon. Musique, pense à Décibel, moi je me débrouillerai. Elle a besoin de toi, elle t'appelle. Elon, mène-moi à Décibel. Je ne sais pas si c'est possible. Je n'en sais rien. Bon. Pour le cosplay, t'aurais dû foutre la bise spatiale. Oui, c'est ça, bien sûr. Je vais aller m'acheter un scaphandre, hein, j'ai que ça à faire. Oh mon dieu, non! L'alarme sodomite! Oh, comme c'est sale! Insémination planétaire! Ça y est, l'ovule! L'ovule fécondé! Le voilà! L'ovule qui fera naître l'essence même de la destruction de cette planète. La genèse du mal. Ah mon dieu, ce jeu. Ah, des fois j'en pleurais tellement c'est n'importe quoi. Moi j'ai trop le swag, moi je suis en costume d'astronaute les gens. Décibel, elle... Bon sang, je n'arrive pas à le croire. Le système de survie ne dure que 20 minutes. Le réservoir de secours lui donnera peut-être 5 minutes de plus. Je crois que malheureusement il n'a plus rien à faire. C'est hors de question, je ne la laisserai pas mourir. Non! Elon, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas, ce serait terrible. Je ne sais pas. Ramène-moi vers Décibel, vers son passé. D'accord. Quelle soumise. Ça ne marchera peut-être pas, mais essayons quand même. On doit y aller maintenant. Allez, c'est parti. Swag! Irvine, retourne à la prison du désert. J'obéis aux ordres de ton père. On va... pardon. Aux ordres de ton père, on va à Deling City. Aïe, mais ça va pas la tête. On retourne aider les autres. Je me marre, ils écrivent des choses très sales sur le chat, si vous saviez. Voilà la seule raison pour laquelle vous devriez participer à ces lives. Ils s'en sortiront seuls. Ils trouveront un moyen de s'évader. Comment peux-tu en être sûr? Musique n'obéit qu'aux ordres, alors si personne lui ordonne, il restera. Je veux pas qu'il croupisse en prison pendant 50 ans, on doit les aider. Si je dois employer la manière forte...
Non, ne le force pas de faire un cunilingus. Ah, ouh, ça fait mal. Ok, ok, on y retourne. On dirait le proverbe chinois, quand l'eau coule rouge de la rivière, prend le chemin boueux. La bague de musique? Je sais pas où il l'a achetée. Je voudrais la même, je la trouve superbe. Tu parles de celle avec une espèce de monstre dessus, hein? Oui, celle-là. Si tu veux, je peux te faire la même. J'aurais pu être faussaire, tu sais. Une copie? Quelle bonne idée! Génial! Ouais! Sauf qu'il faut que musique me donne l'original comme modèle. Oh, sad! Mais c'est impossible! Ah bon, pourquoi? C'est trop gênant. Mais pourquoi? Oh, tu es am... T'avais pas remarqué, Zelle? Ça fait 56 ans qu'elle me touche de partout, qu'elle veut toujours être avec moi, et toi t'avais pas remarqué qu'elle était amoureuse. Mais non, pas du tout! Qu'est-ce que tu racontes? Malotru. Elon, ce n'est pas ça, c'est bien trop loin. Excuse-moi, réessayons. Tu comprends, il fallait bien faire durer le jeu avec des scènes rigolotes. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Oh mon dieu, j'ai des problèmes de caméra maintenant. Des caméras qui partent en cacahuète. Ne bougez pas, il faut que je change ça. C'est de la merdasse. Pourquoi ça me fait de la merdasse maintenant? J'ai... caméra de merde. Ah, mieux comme ça. Allez, suspense. Où suis-je? Si belle. Vous sentez quand les moments du jeu sont très très graves, quand il n'y a pas de musique, voyez. Ce n'est pas décibel. Cypher, noble chevalier, la sorcière est vivante. Timessia, la sorcière du futur possède décibel. Elle s'est réincarnée à partir d'Edea. Où est Décibel? Retrouve la légendaire lunatique Pandora cachée en deçà de l'océan. Ceci fait, la sorcière pourra satisfaire l'ensemble de tes rêves. Décibel, où es-tu? Je t'obéirai, Ultimessia. Musique, j'ai peur! Décibel! Oh mon dieu! Yeah! Je suis Ultimessia! Qui est là? Sortez! Je suis Ultimessia, la sorcière du futur! La reine du Botox! Et de la chirurgie esthétique! Décibel! Allez, Maxiro ne comprend pas en fait le trip. Tu n'as pas vu les anciens épisodes, mon cher. Tu peux pas comprendre le coup du botox et de la chirurgie esthétique.
Elon. As-tu réussi? As-tu parvenu à modifier son passé? Je n'ai rien pu faire. Je suis désemparé. Comment détruire un jeu mythique, confier-le à la musique. Effectivement. Je me souviens de ce regard. Tu me regardais comme ça lorsque tu étais petit. Tu appelais ça le regard de chien battu, tu te souviens? C'était il y a longtemps. C'est vrai, le présent est plus important, je m'en suis aperçu. Je dois aider Décibel, rien n'a jamais été aussi important pour moi. Et là, tous les rêves d'amour d'Elon sont brisés. Alors parle-lui. Ta voix ne peut l'atteindre sans ton cœur, oui. Tu es prêt? Je t'envoie dans son passé très récent, ok? Oh my god! Épuisement du système de survie dans 15 secondes. Non! Je vais pas mourir comme une grognasse toute seule dans l'espace! Je veux m'en sortir. Et comment? Ah, enfin débarrassé de ce boulet. Je ne peux rien faire. Je vais dériver. Dans la version officieuse hein, de Manal Fantasy, Linoa se retrouve à avoir très envie de faire pipi dans sa combinaison. Malheureusement, vous imaginez bien que, avec la gravité, système de survie épuisé. Non. Je... Moment très tragique hein, du jeu quand même. Bon, si j'étais pas en train de détruire un petit peu la licence à ma façon, c'est terminé. Vous trouverez ça touchant plus que drôle, mais... Attention, c'est une cucu en approche. C'est exactement ça, Maxiro. Je vais... Oh non, parce que je vais mourir. Vous voyez, c'est pour moi, c'est une histoire d'amour touchante, vous voyez, c'est pas comme... Comme Tidus et Luna, vous voyez, c'est arrêt immédiat du système de survie. C'est vraiment bien foutu. C'est pas vraiment cucu comme on le dirait justement. Au contraire, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien foutu moi, perso. Je ne peux plus respirer. Musique. Non, il va surtout y avoir la scène la plus what the fuck du jeu vidéo en fait, très bientôt là. On va bien bien rigoler. Décibel, non! Tiens bon. Oui c'est ça, elle a juste plus d'oxygène, elle est en train de dériver dans l'espace. Mais vas-y, tiens bon hein. Hein? Tu peux encore tenir à peu près 30 secondes sans respirer. Adieu. Décibel, tu m'entends? C'est moi, Busic. Décibel! 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 Belle! Belle! Est-ce que je ferai un live ce soir? Oui, normalement sur Saints Row 4. On va essayer de régler notre bug avec Shyvana et on pourra peut-être faire du Saints Row 4 ce soir. Mais s'il vous plaît, ne me posez pas de questions en ce moment même, laissez la scène faire toute seule, je me tais. Voilà. Tu te souviens de notre promesse ? Yeah.
Bon alors là c'est vraiment... Là vous voyez ça fout les frissons là. Tant que l'un nous sera vivant, l'autre ne pourra pas mourir. Vous voyez c'est pas cucu du tout, c'est une scène vraiment triste. Je sais pas, enfin moi je trouve ça vraiment triste. Il y a beaucoup d'oxygène pour le fait que ce système de survie sonde. Non mais je t'explique, quand tu avales de l'oxygène, tu recraches quand même encore une partie de l'oxygène que tu n'as pas utilisé. Donc l'oxygène, j'en ai encore un petit peu dans ta combinaison. Pendant quelques secondes, on va dire. Tu manques pas tout de suite d'oxygène. C'est de la science. Elle dérive, elle dérive. Toujours vivante. Musique. L'espoir fait vivre, comme on dit. C'est magnifique. Au sens premier du terme, hein. Mais quel idiote, il me restait un système de survie. Ah, vous y avez cru, hein? Hein? C'est vrai, je suis un peu blonde. Sous mes mèches noires et brunes. Je vais la retrouver. Tu n'as pas besoin de moi. Merci, Leylon. Non mais, musique, Squall, ne fais pas ça. Tu es malade de sortir dans l'espace. Putain, mais pourquoi je fais une voix de Black maintenant? Il est fou, il ne pourra pas revenir. Son système de survie va s'épuiser, ils vont mourir tous les deux. Mourir pour une grognasse, c'est bien triste. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour, c'est beau la mort. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire. Décibel, où es-tu? Par là. Alors là, on a l'impression d'être sur un jeu d'Atari. Je te retrouverai, je te le promets. La scène du jeu Atari, vous voyez. Je dois me placer en face d'elle pour l'attraper. Et vous allez à peu près louper cette scène environ 5 fois avant de la réussir, théoriquement. Si vous êtes un être normalement constitué. La scène, on manque de budget. La scène où en fait vous visez bien au milieu et au final l'Inoa passe juste au-dessus de vous. Voilà ce que c'est surtout. Enfin, moi je me souviens que j'avais galéré à cause de ça.
mon dieu. Ça y est, elle est bientôt au milieu. Inoa, je t'en supplie, bouge plus. 5 secondes à peu près. Là, il faut juste espérer qu'elle me passe pas en dessous, vous voyez? Décibel va disparaître dans l'espace. Vous voyez, je vous ai dit, c'est n'importe quoi! Touche 0 pour rond pour, pour vous déplacer rapidement, attention de pas griller votre carburant. What the fuck? Griller votre carburant, t'as du carburant maintenant. Et maintenant ils te la mettent en face de toi, tu sais. Fucking scène de merde, je vous l'avais dit. Elle est tombée au-dessus de moi ou en dessous de moi cette fois? J'ai pas trop regardé, parce que je regardais ailleurs du coup à la fin. Je pouvais plus bouger de toute façon. Elle est passée en dessous. Ah mon dieu, faut vraiment qu'elle soit au centre de l'écran en fait. Quelle belle bouse ce truc. Non, non, je vais pas la voir, elle va passer à côté de moi. Je regardais pas mon écran encore une fois, je réglais la caméra. Si, c'est bon, je l'ai. Oui, oui, l'épée dans la gueule. Ça va fonctionner. Et bim, le grappe de nichon, ni vu ni connu. Mon dieu, mais qui est en train de me ploter? Serait-ce un alien? Non! Pas de hentai, je vous en supplie! Musique, merci. J'ai entendu ta voix. Je sais. On va s'en sortir? Bah non, vous êtes en plein milieu de l'espace, pandidio. À ton avis? Dansons la cucaracha ensemble, on ne peut pas bouger. On ne peut plus respirer. Ce sont les symptômes de l'amour. Pas le moment de plaisanter. Je vais au moins sauver Décibel. Mais c'est magnifique! Comme par hasard! Un putain de mother fucking vaisseau au milieu de l'espace! Décibel, tiens bon! Alléluia, my friends! Jesus existe! Holy freaking shit! This is awesome! This is incredible! This is impossible!
Normal, un vaisseau au milieu de l'espace. Normal. C'est dans quoi déjà la voix que tu viens de faire? J'ai déjà entendu, je sais pas du tout. Il fait aucune voix connue, quoi. Attendez! La scène what the fuck n'est pas terminée encore, les amis. Elle est loin d'être terminée. Dieu merci, il y a de l'air. C'est bon. En tenue de Lost Planet. À poil. Ah non, en fait, pas encore. Ça viendra, vous inquiétez pas. À moitié à poil. Là, ça. Quoi? Merci, musique. Tu m'as encore sauvé? Merci du fond du cœur. Je pouvais pas te laisser, c'était plus fort que moi. Les couilles avant le reste. On connaît tout ça, mon petit squal. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait rien faire avant à cause de la combinaison spatiale? Ah! Ah bah voyez, ça y est, je vous avais dit, ça allait venir, ça allait pas tarder, hein, tout nu, hein. Un petit câlin de remerciement? Un quoi de remerciement? Tu mérites bien ça. Oui, puis tu me serviras une petite pipe avec aussi, hein. J'ai besoin de me sentir vivante. Ah bah alors là, je peux te dire que tu vas te sentir vivante, hein. Avec ce que je vais te mettre? Oh mon dieu, il faut que j'arrête. C'est survivre qui est difficile. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, tu sais. Pour continuer, nous allons devoir retrouver les autres. Je ne veux pas devenir un souvenir. Exactement. Tiens, c'est bizarre, elle se met à penser comme lui, tu sais. C'est bien, c'est beau, c'est tout rose, on est dans un vaisseau qui nous ramènera sur la planète, tout va bien quoi, c'est super cool. Et puis je veux dire, bon, c'est pas comme si... NON! Mais que... C'est pas comme s'il était rempli d'un tas d'aliens dégueulasses? Qui ressemblent à des Twitch? En fait, tu sais pas trop si c'est leur tête avec des grosses dents bizarres ou si c'est... Tu sais pas trop ce que c'est. Leur tête, ça a l'air d'être le truc en haut avec des yeux bizarres, mais... Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un... Non, mais parce qu'en fait, vous savez pas, mais la scène va se transformer en hentai, en fait. Voilà. Vous voyez, vous avez les aliens tentaculaires. C'est maintenant que ça devient intéressant. Ah, ça n'a pas l'air très amical. On va essayer de passer sans se faire voir. On doit s'attendre à tout, mieux vaut vérifier nos associations. Et maintenant il faut réassocier toutes les G-Force à mère. Ah non, c'est bon, on n'a pas trop besoin. Tant mieux.
Ça sert à rien, c'est bloqué, il va falloir descendre. Avec une vieille musique de ouf. J'appelle la GeForce Replay. Ça c'était pas mal aussi dans Final Fantasy 2. La GeForce, il appelle la GeForce Replay, qui est Replay, vous connaissez, hein, c'est la celle qui tue les aliens. Ne me vois pas, ne me vois pas, retourne-toi, saloperie. Je ne veux pas te toucher. Non ! Non ! Ah ! Ah ! Fuck ! Ouais ! Yes ! Ah, Odin, il vient partout, même dans l'espace, hein. C'est une divinité de fou, hein. Odin nous a sauvés du hentai, mes chers amis. Merci Odin. Merci Odin, tu es le meilleur Odin. Mais pourquoi leur cadavre ne disparaît pas? Très bonne question, vous me direz. Eh bien, il a une réponse à cette question. Toc. Vous allez tout de suite comprendre, vous voyez, les aliens ont des couleurs tous différentes. Dégagez-la! Fuck you! Pour pouvoir vous débarrasser de ces aliens, eh bien, il faut tout simplement les tuer dans l'ordre. Dans l'ordre, enfin, pas forcément dans l'ordre, mais les tuer par paire, par couleur. Il faut que vous tuiez les deux aliens d'une même couleur directement. Sinon, ils se remettent à revivre. Putain, le pire, c'est qu'ils font mal, ces enculés. Heureusement, ils ont le sort vie sur eux et tout. Ils sont à max et tout ça. Maintenant, c'est l'heure du Renzo Kuken dans ta face, saloperie. Tu l'as bien mérité. Atomiser la tronche. Là, vous dites, mais what the fuck ce Final Fantasy? Pourquoi des aliens dans un vaisseau dans l'espace? Que faisait ce vaisseau ici? Pourquoi des aliens à l'intérieur? Alors, mettre cécité sur Squall, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue de ta vie. Sachant qu'il a 255% de chance de réussite de toucher. Faut pas aller très loin. Heureusement, ils sont très faibles. Oh, la GeForce a pris boutique. GeForce. Regardez.
Maintenant, si j'utilise capacité, je peux utiliser boutique. Vous voyez, je suis dans l'espace et je peux aller acheter des objets, vous voyez. Tous les endroits que vous voulez, je peux aller acheter. En plus, j'ai accès à des boutiques qui n'existent même pas dans le jeu. Enfin, qui sont dans des endroits plus loin du jeu, je crois, je sais plus. Vous avez tous les trucs. Vous avez tous les magasins, en gros. Attendez, il faut que je trouve où est le deuxième rouge. C'est une bonne question. Je sais plus où il est. Plus de chemin par là. Fucking aliens. Alors là, il y a un verre. J'ai envie de me le prendre. Verrou de sûreté activé. Et il y a le rouge par ici. Oui. Nickel, 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 nickel. On va mourir, sombre saloperie. Effectivement, monsieur Leg Guy, tu as enfin ta G-Force. Ça veut dire que tu n'as pas regardé les rediffusions, c'est mal. Très mal. Alors pour cet épisode, on va terminer l'arc du Ragnarok, hein, parce que c'est le nom de ce vaisseau. Oh yes! Ah, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, là, il est en forme, hein, le Odin, hein. Il avait envie de faire un petit voyage dans l'espace, je crois. Si je ne m'abuse, il faut que je revienne tout dans l'entrée. Alors vous allez dire, mais why? Mais pourquoi? Pourquoi les aliens sont apparus d'un coup derrière nous alors qu'ils étaient pas là au début, vous allez voir. Et d'en arriver par ici. Et d'un seul coup. Ah bah tiens, c'est bizarre. Il y a un extraterrestre jaune juste dans cette pièce. Je me prends encore un coup de cette saloperie d'alien, je suis mort.
Tu avais cours alors que c'était les vacances au moment où j'ai tourné ces vidéos. Serais-tu pas un petit peu menteur? Ah, je rigole. Mais pense à regarder les redifs dès que tu as le temps. Et tu verras... J'aurais dû attendre de le faire en dernier celui-là, parce que de toute façon, je serais obligé de repasser par là. Donc on va se diriger vers la salle de tout à l'heure. Vers le point de sauvegarde. Où il y avait le dernier extraterrestre vert. C'est juste dans la salle ici. Si, les vidéos sont bien sur Funky Slap. Enfin, du moins, avant que je change de chaîne. De toute façon, vu que je les rediffuse sur YouTube, sans les phases chiantes où il se passe rien pendant les préparations de live, autant les regarder sur YouTube. Alors ce qu'il y a bien dans ce effet fuite, c'est que les limites sont complètement craquées dans la mesure où vous pouvez en abuser tant que vous n'avez pas d'HP en fait. Contrairement aux autres FF. C'est-à-dire que dans certains cas comme celui-ci, la limite de Squall m'a juste permis de passer à l'endroit sans me faire vraiment chier à perdre du temps dans les combats. C'est plutôt non négligeable. Vous en conviendrez. Sur ce... on s'est enfin débarrassé des extraterrestres, on va pouvoir aller dans le cockpit du vaisseau. Il y a des magies qui apparaissent d'un coup. Faut pas l'intérêt de mettre une source de magie avec soin plus alors que les monstres, vous pouvez leur voler du soin max. Mais bang. L'atomiseur de Squall détruit le vaisseau, à part ça, no problème. J'avoue un petit peu que... En plus, vous voyez l'animation qui arrive sur la... Ah non, dommage qu'il a pas fait ça, mais il y a une animation sur laquelle vous voyez le truc arriver sur la Terre alors qu'ils sont dans l'espace. Mais c'est... vous l'avez pas encore vu, je crois que c'est déflagration et je l'ai pas encore débloqué, cette limite. Je pilotais ce machin. Musique, ça essaie de communiquer ? En parlant de communiquer, Linoa, nous n'étions pas en train de faire quelque chose juste avant. C'est le volume. Ici la station orbitale Estar. C'est... Vous me recevez, Hydre, vous m'entendez... Un signal? Ici station orbit... Vous me recevez?
Youpi! L'hydre, c'est ce vaisseau? Excellent, vous êtes là! Où ça exactement? J'essaie de rendre ça un petit peu plausible quand même, en rajoutant des petits grésillements dans l'appel quand même. Position inconnue. Entendu, ne vous inquiétez pas, on va vous localiser d'ici. Mais bien sûr, on va rentrer chez nous. Hydre, ça fait 17 ans. Un vaisseau perdu il y a déjà 17 ans. Vous vous rendez compte? Ici au milieu de l'espace, juste pour sauver nos deux héros. Si c'est pas magnifique. On peut rentrer chez nous? Laissez-nous faire, vous devriez avoir assez de carburant. Et il y avait encore du carburant en plus. Entrez vos coordonnées de destination, le vaisseau s'y rendra automatiquement. On vous escortera à votre atterrissage. Vous allez voir, c'est facile. Et en plus, c'est facile. Comment entrer les coordonnées? Pas de panique, on va vous expliquer. Vous êtes dans le siège de pilotage? Il y a plusieurs sièges ici. C'est celui sur la droite, asseyez-vous dedans. Ça y est. Vous voyez l'écran tactile devant? Ouais. Et ouais, c'est très simple, entrez les codes suivants. Je vous écoute. WJHEIE. Ok. Ensuite, 2872/HDIUE. Ok. Pas d'erreur? Si, j'ai dit IUE au lieu de IEI. IIEU, pardon. Non, c'est bon. Bon, maintenant, voyons pour la sécurité. C'est juste pour économiser le plus de carburant possible. Vous allez débrancher le générateur de pesanteur. Pour cela, utilisez le même écran tactile. D'accord? Voilà. Mission accomplie. Bravo, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Nous voulons tous ajouter quelque chose. Bon voyage et bonne chance. Merci. Le porno peut enfin commencer! Ouah, je vole! Linoa, je ne sais pas si c'est le fait que la gravité soit partie, mais j'ai l'impression que mon sexe lui aussi ne... se mette à voler. C'est ça, ça doit être la pesanteur. Je doute que ce soit le fait que nous soyons tous les deux ensemble dans ce vaisseau. Avec toutes les choses que tu m'as dit tout à l'heure et le fait que tu t'assoies en plus juste sur moi. Mais... on sera bientôt chez nous? Je l'espère. Va t'asseoir maintenant, comme il la renvoie quoi. Laisse-moi encore une minute. Pourquoi es-tu si affectueuse? Tu n'aimes pas ça? Oh mon dieu, cette scène. Je ne suis pas habituée. Et quand tu étais petit, tu n'aimais pas faire des câlins à tes parents? Je n'ai jamais connu mes parents. Je n'ai aucun souvenir d'eux. Heureusement, Elon était là. Elon m'a donné beaucoup de tendresse. Mais dis pas ça à une femme qui est assise sur toi, bon dieu! Ça te faisait du bien? Oui. Mais elle est partie, elle m'a quitté. Et depuis, j'ai peur de m'attacher. Tu as peur de nous perdre? C'est pour cela que tu es si froid et distant? Ça n'a aucun sens. Tu as sans doute raté de nombreuses opportunités en agissant ainsi. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Peut-être. C'est sûr. J'ai envie de rigoler un peu. Pas possible. Ça me plaît. J'adorais ça quand ma mère me serrait dans ses bras. Papa aussi, lorsque nous n'étions pas encore ennemis. Je ne remplacerai pas tes parents. Non, bien sûr. Mais tu es le seul être avec qui je me sens bien. Mais pèse-la, vas-y, pèse-la, mon dieu. Tu me rends heureuse et malheureuse à la fois.
Désolé, pardon. Inoua, ta main est en plein milieu de mon visage. Arrête de me faire sentir tes doigts. Retourne à ton siège. Attends encore un peu. Tu seras plus en sécurité. Non mais... On va enfin rentrer chez nous. Non mais le problème c'est pas ça, Inoua, tu vois. Va t'asseoir parce que là, assis sur moi, je commence à avoir un petit peu le... Et ça me dérangerait que tu le sentes. Quand nous arriverons, on se séparera. Peut-être. On n'a aucune certitude, le futur est imprévisible. C'est ce que tu disais, non? On s'occupera des détails plus tard. Et là, tout le monde est déçu. Ils vont tous me haïr maintenant. Oh, ce double menton de Linoir, regardez-moi sa tête comme il est horrible. Ici, station orbitale, répondez. Ici Lydre, nous avons quelques questions. On a récupéré les nacelles de secours et on a compris ce qui s'est passé là-haut. Il n'y a personne de la base sur Lydre, n'est-ce pas? Combien êtes-vous à bord? Seulement deux. Je vois, votre nom? Je suis Music Leonard, un site de la BGU. Et l'autre? C'est une passagère, Linoa. Décibel? La sorcière, elle est à bord? Alors c'est vrai, Décibel est envoûtée. Je suis devenue une sorcière. Je ne peux pas rester avec toi. Id, répondez-nous. Cette scène tragique. Je m'en fiche du futur. Je veux juste rester avec toi. Décibel. Id, répondez-nous. Plus personne ne me prendra dans ses bras maintenant. La sorcière sera arrêtée dès son arrivée. Suivez nos instructions. J'ai... Musique, vous nous entendez? La sorcière écoute-t-elle cela aussi? J'ai peur, Musique! Je ne veux plus rentrer! Je vais verser ma petite larme. Sec. Je ne sais pas quoi faire. Me voilà une autre croisée des chemins. Non, je regarde. Me voilà une autre croisée des chemins. Mais pour la première fois, je ne sais pas lequel prendre. Je suis là parce que j'éprouve quelque chose pour toi. Décibel. Alors, dois-je te laisser partir? Et voilà, le jeu commence à prendre de l'ampleur. Comme je vous disais, la fin du CD3 est juste complètement craquée. Prêtresse Décibel. Descendante d'In. C'est qui cette In, d'où elle sort déjà? De quoi il parle là? Suis-nous, ton pouvoir doit disparaître à jamais pour le bien de l'humanité. C'est quoi cette secte là? Tout ça en robe là? Très bien. Ils vont invoquer des démons en sacrifiant Linoa sur un autel de mort quoi. Je suis sûr. Merci, tu as pris une sage décision. Fais-nous savoir quand tu seras prête. Mais prête pour quoi? Qu'allez-vous lui faire? Je dois te dire quelque chose. Dans l'espace, j'étais possédé. Une sorcière s'est emparée de mon âme. C'était Ultimessia, la prêtresse du temps. Elle essaye de comprimer l'espace. Passé, présent, futur ne feront qu'un. Elle sera la seule à pouvoir survivre dans cette dimension.
elle et personne d'autre. Tant que je serai en vie, elle se servira de moi pour atteindre son but. On ne peut pas la laisser faire, n'est-ce pas? Je dois disparaître. Je suis prête. Très bien. Très bien. C'est une femme qui parlait. Nous partons pour le mausolée. Je crois que c'est moi que je leur fais. Oh putain, je me concentre vraiment pas sur mon doublage aujourd'hui, hein. Je fais n'importe quoi. T'es si belle, ne pars pas. Merci, musique. T'es si belle. Sniff, sniff. Oh! J'ai toujours ton anneau. Garde-le, va. Vraiment? Ouais. Terrible, Décibel. Je ne peux rien faire. Cliffhanger de bâtard! C'est parti, mes chers amis. Nous nous laissons là pour cet épisode. Nous nous retrouvons tout de suite pour la suite du live. Et en ce qui concerne la prochaine rediffusion, elle sera d'ici 2 jours, théoriquement, pour les autres. Je vous fais 2 gros bisous donc à ceux qui regardent la rediffusion, et je vous dis à tout de suite pour les autres. Allez, à toutes!